Je ne m'attendais pas à te voir ici. Sérieusement? Moi dans le confessionnal d'une église? On dirait que quelqu'un était à court d'idées, là. Tu as une confession à faire? T'as sûrement remarqué que je fais souvent l'idiot. Je suis le beau bout en train musclé de l'habit. Mais tu sais quoi? Tout ça n'est qu'une façade. En vérité, je suis un magicien! Tu m'envoies encore valser avec tes blagues. Oh, t'apprends tellement vite! Bientôt, ce sera à toi de faire des blagues, et je te sifflerai depuis le public! Mais pourquoi tu fais ça? C'est beaucoup plus facile que d'être vulnérable et de me mettre à nu. Il faut payer pour voir ça! Tu n'en as pas marre de toujours faire le clown? Ah! Tu veux que je me mette à jongler, c'est ça? Oh, et dire que je pensais qu'on avait une discussion sérieuse sur le fait que je joue un rôle. Mais pourquoi ce cinéma, si tout est faux? Parce que ça me protège, et que ça incite les gens que j'aime à rester loin de moi. On sait tous que ça peut que mal finir quand je suis dans le coin. Ce n'est pas ce que j'appellerais une vie. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, hein? Je serais honnête envers ceux que j'aime et je leur dirais que j'ai peur. Qui a dit que j'avais peur? Est-ce que j'ai l'air d'un mec sur le point de pleurer? Je le vois bien, tu redoutes qu'il leur arrive malheur, alors tu les rejettes. Ce n'est pas juste. Ah! En plein dans les tétons! Tu me connais si bien, Hunter. Je déteste quand t'as raison. Tu devrais savoir que c'est souvent le cas. Mais il y a autre chose qu'il faut que tu saches. Aucun d'entre nous ne sait vraiment ce qu'il fait. Et c'est toi qui dis ça? Quelle blague! Je ne sais pas toujours où je vais. Bah tu fais bien semblant. T'as jamais peur de péter une durite? Si, tout le temps. J'essaie de ne pas en tenir compte. Avoir une attitude insouciante. Une stratégie classique. Enfin, ça dure pas. Nous devons tous nous accrocher jusqu'à la fin. On aura le temps de se relâcher ensuite. Je suis toujours crispé, Hunter. C'est pour gonfler mes muscles. Écoute, je suis content qu'on ait crevé l'abcès, mais va pas dire aux autres que je suis un gros nounours. Je compte bien continuer à jouer les durs. Ça ferait pourtant plaisir aux autres de voir ce qui se cache sous cette carapace. Ouais, mais je préfère rester un danger public. Désolé, Hunter, mais ça sera notre petit secret. Comme la fois où je t'ai vu sans ton masque? Exactement! Certaines choses doivent rester cachées. Tu vas bien, mon chien? Moi, je sors pour éviter que mes toiles prennent la poussière. Tu devrais essayer. Hey, je peux te demander un service? Merci, Hunter. J'ai beaucoup de choses à dire. Presque trop. C'est fort peu, mais j'ai réussi à isoler quelques détails.
noyau gamma. Mettons-nous au travail. Parfois, je m'impressionne moi-même. Je crois bien que Charlie a laissé un noyau fumant dans le couloir. Le troisième état de la matière, hein ? Au revoir. Tu as besoin d'un remontant ? Rien de presse. Techniquement, je suis immortel. Même si je ne souhaite pas le vérifier. Au revoir, Hunter. Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir ? C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça fera l'affaire. Je reste là si t'as besoin de moi. Thank you.
T'es de retour ? Hydra ne viendra plus me chercher des phrases. Ne casse pas trop la tête. Je peux pas te tromper. Pas le temps de traîner, Hunter. Prends ton temps. Je vais méditer un peu en attendant. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a toujours des choses à améliorer. Ça fait pas de mal de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Fais ce que tu veux. Promise, chose due. Ce n'est pas toujours facile. Évitez de vous attirer des ennuis. Tu arrives à dormir, toi, la nuit ? Pourquoi ? Y a un problème ? Non, j'aimerais seulement savoir, littéralement, comment tu fais pour dormir ici, à l'abbaye. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? Tu veux dire, à part Strange et ses incantations à 3h du mat ? Le bruit des vagues, le vent qui siffle dans la charpente, la petite fille dans sa robe trouée qui gémit « Je sais ce que tu as fait !» dans le miroir à côté de mon lit. Les vrais fantômes, c'est du sérieux. Je peux vous aider. Je ne veux pas te déranger, mais supposons que j'ai essayé les cercles de sel, les symboles religieux et l'eau bénite. Comment avez-vous appliqué l'eau bénite ? Avec un spray.
Je ne crois pas que ça marche comme ça. J'ai bien cherché un goupillon, sans succès. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de grenade d'eau bénite dans l'abbaye. J'en balançais sur les vampires. On est à sec. C'est une idée. J'aborde peut-être le problème du mauvais angle. Réfléchis, Tony. Et si je dormais dans mon armure, avec les réducteurs de son et une vibration en cas d'urgence... Jour de chance, on dirait. Allons-y. Je ne retenais pas mes coups, je vous assure. Un petit entraînement ? Même les vieux singes peuvent apprendre à faire la grimace. Ne cherche pas d'excuses. À plus. Malfaiteur, prenez garde. Ma jolie Charlie.
Les invocatrices d'Hydra essaient d'ouvrir l'une de ces failles. Il est évident que tout pourra leur permettre d'inviter des abominations dans notre monde. Regarde toujours comme ça. Lilith doit être au bord du gouffre si ce sont ses champions. Aïe, l'Hydra. Ah ouais. Comme au bon vieux temps. Une invocatrice de moi. Ça fonctionne en général. Vous êtes trop chou à croire que vous pouvez nous battre. La détermination est à toute épreuve. Déterminée à accomplir leur rituel. Elle s'appelle Christine. Cette invocatrice ne participera plus au rituel. On y est presque. Nous ne nous arrêtons jamais. Thank you.
peut nous repousser. C'est bien mérité. La mer nous protège. Ah, intéressant. L'ennemi ne nous arrêtera pas. J'ai toujours rêvé d'avoir un inconnu. Passe comme prêt. Regardez bien. Ça doit vous arriver tout le temps. L'arme.
n'est qu'une illusion. Merci. J'ai une dette maintenant. Moi qui ai commencé. Aïe. C'est bon de se sentir soutenu. Aucun ennemi ne peut égaler une force pareille. À les déstabiliser. N'oubliez pas ce moment. Vous n'en vivrez peut-être pas d'autre. Dépêchez-vous. Il faut à tout prix interrompre le rituel. Ils ne s'attendent sûrement pas à ça. C'était terrible.
fête, même pour un agent d'Hydra. Attention, va falloir suivre. De votre sang sera bientôt à nous. Soumettez-vous. Comme elle l'a. L'ennemi n'arrive pas à suivre le rythme. Une aide fortuite. Contemplez les bienfaits de la lumière. C'est bon de voir des amis. Ce ne serait pas notre pacte. J'ai déjà vu ce genre de technique, il y a des siècles. Hydra Immortalis. À moi. Je l'ai à peine senti. Contemplez leur venue. Vous n'auriez jamais dû venir ici, mais vous avez encore le temps de vous enfuir. Montrons-leur ce dont nous sommes. Ça plus souvent.
doit faire bizarre de pas avoir de personnalité. Vous devriez peut-être repasser quand vous vous sentirez plus fort. Essayons ça. Arrêtez de nous embêter, ça n'arrivera plus. Me sentir flatté. Lilith a eu toutes sortes de disciples au fil du temps. J'ai déjà vu ça quelque part, mais... Vos actions ont des conséquences. Pas mal.
Révolue. Vous vous êtes déjà pris le poing d'un dieu dans la figure? C'est peut-être votre jour de chance. Vous en avez plus. Je revaudrais ça. Bien en avoir un peu, nous aussi. J'espère que vous êtes prêts. Pour que ça marche. Hunter. Docteur Strange est fascinant. Ses pouvoirs sont incroyablement puissants. La Terre a brûlé sous nos pas. C'est pas la classe. Bon, partenaire en approche. Salut, Hunter. Ok, Captain Marvel peut désintégrer les méchants d'un simple regard. Et moi, je peux les faire fuir d'un battement de cils. Heureusement pour moi, le noir va avec tout. C'est quoi le problème de Robbie? J'arrive pas à le cerner. Attention, j'ai pas de problème avec lui. C'est juste qu'il vire un peu psychopathe quand on est en mission. Vous avez passé du temps avec lui en dehors d'une mission? Non, je passe bien trop de temps dans la cellule de crise. Si vous voulez le cerner, engagez la conversation. Pas bête comme idée. J'essaierai. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais le défier au bras de fer. Commencez plutôt par un jeu vidéo. Ouais, bien vu. Je me suis rarement autant amusé. Thank you.
Je m'habituerai presque à te voir en vie. Je dis bien presque. C'est qui le bon chien? C'est ma Charlie à moi. Hunter, sache que tu es la seule personne invitée à me rejoindre dans mon coin préféré. La seule ? Que me vaut cet honneur ? Je t'épargne les détails sentimentaux, mais tu as grimpé tous les échelons de notre amitié. Enfin, presque tous. Ces détails sentimentaux m'intriguent beaucoup, à vrai dire. Tu peux développer ? Non. On pourrait peut-être ouvrir nos cœurs pour célébrer cette amitié. Non merci, y a pas moyen. Je commence. Nico, la première fois qu'on s'est parlé, j'ai tout de suite su que tu étais une fille extra. Je te laisse. D'accord, d'accord. Je pensais pas que la chapelle serait ton coin favori. Crois-le ou non, mais ma famille assistait à la messe tous les dimanches quand j'étais petite. Ces vieux bâtiments pompeux me mettent à l'aise. Ça a pas toujours été comme ça. Qu'est-ce qui a changé ? T'as cru que je faisais psycho ? Je dirais que j'avais sûrement besoin de me faire défaire des couches moisies que m'a laissé ma mère pour retrouver un cœur plus sain. Comme un oignon, tu vois. Et j'ai tenu compte de ton conseil. J'ai accordé à ma mère toute l'indulgence qu'elle n'a pas eue pour moi. Je lui ai pardonné. Enfin, presque. Je crois que j'y travaille encore, mais ça va venir. Il faut une sacrée force de caractère pour pardonner ce genre de choses. T'es encore plus coriace que je le pensais. Et maintenant que je suis libérée de ce fardeau, je vais devenir encore plus forte. Plus rien ne m'arrêtera maintenant. Quant à toi, t'as été là pour moi et je te revaudrai ça. Quand on affrontera ta mère une dernière fois, sache que je serai là pour te soutenir. Si tu cherches une sorcière, fais signe. T'es la meilleure, tu le sais, ça. Moi, je sors pour éviter que mes toiles prennent la poussière. Tu devrais essayer. Ce rendez-vous en valait la peine, Hunter. Je n'ai jamais joué à autre chose qu'au simulateur de vol depuis des années. Il y a des simulateurs de marche maintenant ? 2 mois à combattre Lilith. Espérons que ça dure pas trop longtemps, j'ai des projets de voyage. Alors, quoi de neuf ? Thank you.
Comment ça va, chef? Chef, je dois m'occuper. Parfois, je m'impressionne moi-même. Possibilité intrigante. C'est un plaisir de vous aider, Hunter. Qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui? Ce n'est vraiment pas si mal, compte tenu de sa provenance. Au revoir. Ça devrait être utile. Ça fera l'affaire. Salut, Hunter. Super, merci, Hunter. La légende est parmi nous. Salut, Hunter. J'aurais besoin de ton aide. Je répertorie toutes les créatures surnaturelles que je rencontre. J'aimerais bien publier un livre sur le sujet un jour. Je prépare déjà une lettre pour d'éventuels éditeurs. Dis-moi ce que tu penses de mon intro. Les sombres couloirs occultes de ce monde grouillent de créatures monstrueuses, des Atlantéens au Cop-Garou en passant par le Décapiteur. Aucune ne m'a résisté. Je suis Blade, chasseur de vampires, et j'en ai traqué tant d'autres. Tu as bien dit Cop-Garou ? Ne te laisse pas distraire. Que penses-tu de la phrase ? Est-ce qu'elle passe bien ? J'ai quelques remarques. Ah, c'est Cop-Garou qui te bloque. Bon, d'accord, dis-moi tout. Qui ne resterait pas bloqué sur Cop-Garou ? Et c'est quoi un Cop-Garou, au juste ? Comme son nom l'indique, il s'agit d'un poulet humanoïde qui crache du feu. Son nom n'indique pas du tout qu'il crache du feu. Ce sont les Thanatonautes qui les ont créés pour me tuer. Ils ont aussi conçu des Limaces-Garou, des Blaireaux-Garou et des Pieuvres-Garou. Ils le faisaient pour rire, non ? Je vais supprimer la référence au Cop-Garou. C'est trop distrayant. Au contraire, je peux te garantir que ça a piqué ma curiosité. Il faut absolument garder les Cop-Garou dans ce paragraphe. Je déteste les Thanatonautes de tout mon être, mais si je deviens un auteur à succès un jour, ce sera peut-être grâce à eux. Merci beaucoup, Hunter. Je vais garder les Cop-Garou dans l'introduction. Si je vois que tu as supprimé cette pépite, ça va barder. Tu auras droit à ton nom dans les remerciements.
mais sache que je ne fais pas de dédicace. Tu peux m'appeler Eric si tu veux. Mais ne dis rien à personne. Je n'ai pas envie que ça tombe dans l'oreille de Stark. Hunter, qu'est pas ça? A plus. Des plans pour nous ? Nouvelle arme pour combattre l'élite. Je suppose qu'il faut savoir se contenter de ce que l'on a. À une prochaine fois. Allons-y. Fallait pas. J'ai hâte de tester ça. Pas le temps de traîner, Hunter. Tu ferais peut-être mieux de me contacter sur Superlink, quand tu voudras t'y mettre. Fais ce que tu veux. Je reste là si vous avez besoin de moi. Oh, salut. La puissance augmente de jour en jour. Bonjour, Hunter.
devons nous débarrasser de ce monstre. Au combat. Sans pitié. Je comprends. Charmante amie a des talents insoupçonnés. Et c'est parti. Du moment que ça fonctionne. Pas de quartier pour les fidèles de l'élite. Moi,
Que ma volonté soit faite. Maintenant. Je viens se mettre le Hunter à dos. Vous vous agenouillerez. Ça devrait être vite réglé. Pensez qu'après toutes ces années d'échecs, Hydra aurait fini par jeter l'éponge. Prenez-en de la graine. J'ai déjà vu ce genre de technique. Allez-vous rester là et regarder votre monde brûler ? Perdu de temps. Libéré. Je crois qu'on a l'avantage. Vous n'étiez pas de taille pour ce combat. Non,
c'était terrible. Aucun ennemi ne peut égaler une force pareille. C'est parti. Assez d'insolence. Tout va bien pour le moment. C'est plus que ça. Ne vous embêtez pas à essayer, vous ne faites que vous ridiculiser. L'argent d'Hydra n'a pas d'odeur pour un mercenaire sacrifié. Wow.
contempler les bienfaits de la lumière. Ça fait du bien. Échouer. Corruption se répand. Je le sens. Votre mère vous abandonne. Je mène la danse. Beau travail. Cela me sera d'une grande aide. Je suis prêt. Je suis prêt dans l'île. Thank you.
prépare. C'est le début de la fin. Votre responsabilité, ce monde est condamné. Même ensemble, vous ne m'arrivez pas à la cheville. Cela me sera d'une grande aide. Les hostilités. Attendez mon appel.
les hostilités sont ouvertes. Vous êtes très loin de m'égaler. Chercher. Détermination. Que vous attendez. Je ne commettrai pas deux fois la même erreur. S'attendent sûrement pas à ça. La lumière nous guérira. L'avantage est de mon côté.
une aide fortuite. À nouveau. Retourne chez ta mère. De nous dépêcher, puis on nous sépare. Besoin d'aide. Nul ne sera épargné. C'est une grosse erreur. Ah.
seulement nous pouvions frapper pendant qu'il traîne. Je ne tomberai pas une seconde fois. Bien en avoir un peu, nous aussi. C'est tout? Aucun ennemi ne peut égaler une force pareille. Thank you.
ça m'arrêterait? À l'affaire. C'était terrible. Les hostilités. Thank you.
vous ne survivrez pas à notre prochaine rencontre. Vite réglé. Prenez-en de la graine. Impressionnant. On va en avoir un peu, nous aussi. Allons-y. Ça fait l'affaire, comme on dit. Donne jamais nos amis. C'est le début de la fin. Attaque.
Je ne mourrai jamais. Je ne tomberai pas une seconde fois. Vous avez eu une chance de vous enfuir. Vous n'étiez pas de taille pour ce combat. Contemplez les bienfaits de la lumière. Je me sens déjà mieux. Je suis prête. J'ai déjà vu ce genre de technique. Il y a des siècles. Les ténèbres sont accueillantes. Vous devez... À moi. Notre camarade a besoin de nous. Votre manque de détermination est décevant. Je vous combattrai tous jusqu'au dernier. Je me sens déjà plus forte. Thank you.
sera fait. Aucun ennemi ne peut égaler une force pareille. La prochaine fois, ce sera pour toujours. Moment d'y aller. C'était encore plus efficace que je ne l'imaginais. Nul ne peut s'échapper. J'ai toujours redouté ce moment. L'affaire, comme on dit. La prochaine fois, ce sera pour toujours.
moi. C'est bien mérité. Je devrais peut-être me sentir flatté. Joli. Je vais vous briser. Mon but. C'était votre seule chance. On a l'avantage pour le moment. Pas de problème.
On aimerait bien en avoir un peu, nous aussi. Parti pour un tour. Allons-y. Gardien fort. Votre fin approche. La déçoit. Personne ne me défie. Là. C'est tout ce que je peux faire. Aucun ennemi ne peut égaler une force pareille. Les bienfaits de la lumière. L'avantage est de mon côté. L'ennemi n'a aucune chance. Les histoires disaient vrai. La puissance est remarquable. À moi.
Le moment est venu. Bonjour, Hunter. Je vais en parler sur mes réseaux. Je risque d'enjoliver un tout petit peu le truc. Alors, quoi de neuf ? Onaziwa. Il faut que j'aille méditer. J'en ai besoin pour me canaliser. Salutations, Hunter. Content de vous avoir parmi nous. Eh bien, on peut dire que ces sans-âmes portent désormais bien leur nom. Hunter. Entre ma langue et moi, ça coule de source. Tu l'as ? Thank you.